Jordan, comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu deviens, gros? Écoute, RSA, les soirées, la routine, quoi. Et toi, alors? Quoi de neuf? Je fais des études de ciné. Waouh! On a nouveau Tarantino en face de nous. C'est terrible, hein? Yeah. Désolé, j'ai la tête ailleurs. Toi, t'as pas assez bu, hein? Je vais chercher un verre, j'arrive. Alors? T'es chaud ce soir? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas une clope? Ouais, à rouler. Ça me va. Tu serais pas le pote de l'autre lourd? Ouais. Ouais, c'est un vieux pote. Mais il est comme ça avec toutes les meufs. Il n'a pas des compétences sociales très développées, ton pote, hein? Tu t'appelles comment? Carole. Et toi? Mathieu. Merci. T'as des nouvelles sur Paris? Oui, je suis ici pour rencontrer du monde. Je travaille beaucoup en ce moment, j'ai pas énormément de temps. Tu fais quoi? Je suis manageuse dans une start-up. Happiness Behavior. C'est quoi ce truc? C'est une appli pour rendre les gens plus heureux. Le matin, tu te connectes sur l'appli, ça te dit que t'es beau, que t'es intelligent, tout ça. Ça booste à fond l'estime de soi. Et ça marche bien? Ouais. On grappille un max sur le marché des antidépresseurs, mais c'est en plein dans l'air du temps. Bon bah, c'est cool ça. Et toi? Je tente de percer dans le cinéma. Acteur? Non, réalisateur. T'as une tête d'acteur pourtant. Et je ressemble à quel acteur? Je dirais Max Boublil. Ok, ça me va. Tant que c'est pas Kev Adams. Il était plutôt bien dans la 2. C'est une blague. Mais oui, je te fais marcher. Ça te dit de voir du vrai cinéma? Pourquoi pas? Mardi, 20h. T'es un mec comme ça, toi. Et tu veux voir quoi? À la tienne, Tarantino. À la tienne, Jordan. Devine ce qui s'est passé hier. Vas-y, balance, gros. J'ai chopé le numéro de Carole. On va voir l'exorciste demain au Cinoche. L'exorciste? Ouais, gros, mais t'es pas bien ou quoi? Quoi? Elle va finir possédée par le chétan, c'est sûr! Putain, mais arrête avec tes conneries! On rigole pas avec le chétan, mon frère. Jamais. Putain, mais t'es vraiment trop con, hein! Hé, hey, bro, je te connais. Tu penses déjà à elle, tu l'idéalises. C'est pas bon tout ça. Tu pourrais pas m'encourager au lieu de me rabaisser? Ouh! Mais c'est super pour toi. C'est juste que je veux pas que tu sois déçu, en fait, c'est tout. T'inquiète, Jaja. D'ailleurs, demande à Carole si elle a pas des petites copines célibes. Putain, j'ai la dalle en ce moment. Eh, hey, s'il te plaît, fais croquer les frères. Putain, t'es vraiment un gros dalleux, hein? Ça, je sais. Ouais, je lui demanderai.
quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Juste une amie. Tu comptes lui dire? C'est chaud, faut que tu lui dises. J'attends le bon moment. Je veux qu'il le prenne de manière cool. Positive attitude. Mais il va pas pouvoir le prendre de manière cool, tu sais. Faut que ce soit bon pour son karma. Putain, mais sors de ton truc d'happiness behavior. On est dans le vrai monde, là. Enchantée, Alicia. Tu croyais qu'on serait tous les deux? C'est pas contre toi, hein? Oui, oui, je sais. J'avais besoin de compagnie. Vous avez choisi? Non, pas encore. Très bien. Prenez votre temps, vous avez toute la journée. Alors comme ça, t'es réalisateur? Ouais, enfin, je commence. Je fais une école de ciné à la Générale. Oh, Montreuil, c'est une ville cool. C'est quoi ton film préféré? La Balade sauvage. Oh, Terrence Malick, j'adore la scène où Martin Sheen tue tous les proches de sa copine et qui s'évade. Mais ouais, mais elle est trop bien cette scène. On aimerait faire ça plus souvent. Mais enfin, tu fais ça à ma famille, moi je te bute. Bon, je vais aux toilettes, j'arrive. C'est quoi ces conneries là? Tu dragues mon mec devant moi? Mais n'importe quoi, on fait que parler. Ouais, c'est ça, parler. Je te connais, Alicia, tu taperas pas mon mec. Mais meuf, t'as craqué, là. Toujours à vouloir voler le mec des autres. C'est ce qu'on appelle une pute. Mais toi, tu veux qu'on en parle? Tu comptes lui dire pour Jordan? Quoi, Jordan? Fais pas l'innocent, tout le monde est au courant. Tout le monde sait quoi? Mais tout le monde sait que tu couches avec lui. Comment tu sais? C'est pas la question. Si tu lui dis pas, je lui dis. T'as pas intérêt à faire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Excuse-moi pour aujourd'hui, j'ai mes règles. Heureusement que tu les as pas tous les jours, hein. Bon, on mange quoi? Je vous conseille le plat du jour. Une bonne bavette bien saignante, c'est délicieux. Bon, on va prendre ça. 3 bavettes. Oh, s'il vous plaît, ne ferez pas de mal. On n'est pas des chiens. J'ai envie qu'on se voit demain. Quelle scène on pourra se poser? Ok, ça me va. Salut Alicia, ça va? Ça va et toi? C'est compliqué en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Carole et moi n'est plus ensemble. Je m'en doutais. Elle sera avec Jordan. C'est des cons, tu sais. Tu mérites mieux. Ouais, je sais. Et puis, bah, si t'as besoin, je suis là. Merci. Mais ça te dit qu'on aille boire un verre? Histoire de continuer la conversation qu'on avait hier. Maintenant? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Dis, j'ai un tournage dans pas longtemps, ça te dirait de venir? Oui, grave. Et au fait, je voulais te dire, j'ai mon copain qui est comédien. Et du coup, bah, si tu fais passer des castings, je te donne son numéro et du coup, tu pourras l'appeler.